Hop, bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la zone. Je suis en live sur Twitch, vous voyez, regardez monsieur John Selas qui est modérateur, il a l'épée, il y a le chat qui est au-dessus, j'ai enfin pensé à mettre le chat sur une vidéo YouTube, qui écrit des gros mots, ça me dégoûte, il a des enfants, si les enfants de John voient ça un jour, sachez que c'est un homme... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout. Je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a un nouvel event, on va dire en quelque sorte, dans Last Day. Merci à tout le chat qui vous dit bonjour, ça fait extrêmement plaisir. Passez sur Twitch, hein, il y a ma chaîne en description, comme d'hab, je dirais jamais assez. Je crois que c'est mon intro de vidéo, il y a ma chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à viander. Donc, il y a un nouveau PNJ. Comment il essaie de se rattraper, John, bien aïe 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 aïe. Il y a un nouveau PNJ qui est à votre base. D'ailleurs, la tour radio a disparu. J'avais la mienne ici. Elle a totalement disparu. Elle a laissé du coup des bas de la merde en fait, hein, clairement. Il y a un nouveau PNJ avec qui vous allez pouvoir parler. Il va vous donner une arme. Il faut savoir que cette arme, une fois que vous allez la récupérer au PNJ, c'est-à-dire que dès que j'ai parlé au PNJ, bienvenue en style, dès que j'ai parlé au PNJ, l'arme a une durabilité. Et l'arme a une durabilité spéciale. C'est pas une durabilité qui va s'user en fonction de combien de coups vous allez mettre, mais en fonction du temps. C'est-à-dire que dès que je la récupère, l'arme à feu là, parce que c'est une arme à feu, je vous spoil un peu, il y aura un timer, enfin invisible, et du coup, bah, une fois que le timer sera atteint à 0, l'arme elle va disparaître et vous ne l'aurez plus, c'est une arme à usage unique. Donc c'est une arme, elle reste une seule fois, et voilà, c'est ceci, donc le brutalisateur, un pistolet à clou unique qui ne perd pas de durabilité lorsque vous tirez et ne disparaît pas si vous arrive quelque chose. Il n'a qu'un seul inconvénient, après quelques heures, sa charge s'épuise et il disparaît. Donc voilà, vous êtes limité en temps à partir du moment où vous allez l'utiliser. D'ailleurs, je crois qu'il commence déjà à dépérir, j'ai l'impression. Ah, il commence déjà à dépérir. Donc vous savez quoi? On va aller se mettre en situation, on va aller le tester du coup. On va aller à la mine, on va aller dans pas mal d'endroits. Oh, il y a Yojimbo. Oh, il y a Yojimbo, c'est mon youtubeur préféré. Oh putain, je trouve quoi. Oh, fais-moi la... Pardon, excusez-moi. Et attends, Yojimbo, si jamais t'es sur Discord... Je sais pas s'il est là, peut-être s'il est encore au chiotte chez lui, on sait pas. Donc, on va aller tester cette arme. On va aller à la mine, on va la tester. Et voilà. Mais venez au secteur 7. Excuse-moi, j'étais au secteur 7 avant de faire cette vidéo. Il y avait que moi et mon couteau, tu vois. Mais ouais, j'y vais après. J'y vais après. Go le récupérer et faire les 100 vagues du Comico. Écoutez, on va le tester là en vidéo. On va aller voir ce que ça donne. On va aller faire la mine, on va aller faire d'autres events. Allô. Agno. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va, je sors du taf mec. Oh là là, j'espère que t'as passé une bonne journée. Bah ça s'est bien passé, j'ai vendu 3 vélos. Pouah. N'hésitez pas, hein, si vous habitez à Strasbourg, le Décathlon de Strasbourg, il y a Yojimbo qui vend des vélos, n'hésitez pas à lui faire... Exactement. À vous frotter à lui. Oui. Bref. Donc, en vrai l'arme a l'air assez... T'as pas testé la mise à jour toi? Ah non, bah j'attends que tu m'expliques vite fait là. Bah écoute, là je fais une vidéo pour YouTube où je montre, tu sais, il y a un nouveau pistolet à usage unique. Mais pour le multi? Non, 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 c'est pour le solo. En gros, le PNJ te donne l'arme. Par contre, ouais, l'arme, en vrai de vrai, je sais pas ce que le chat en pense. Mais l'arme, elle a pas l'air ouf, hein. C'est quoi, c'est un. Je sais pas. C'est un pistolet qui lance des clous. Ah d'accord, il faut faire la mise à jour ou faut pas la faire Benichou? Ah bah il faut la faire hein. Celle-là il faut... Ah non, avant de la faire. Bon je pense que quand cette vidéo sortira vous l'aurez tous fait. Avant de la faire, recyclez vos antennes paraboliques parce qu'elles disparaissent dans la mise à jour. Voilà. Après en soi c'est cool parce que l'arme elle a pas de durabilité en fonction des coups mais en fonction du temps. Donc en vrai de vrai, là pour le coup pour la mine... Worse, hein. En vrai, vaut mieux la récupérer et vous allez farmer comme un porc avec. Parce que l'arme elle est pas ouf, mais mine de rien, bah c'est gratos en fait. Hein. C'est totalement gratos. Génial. Pas ouf, meilleur. Oui, mais l'arme elle a pas de durabilité et elle est gratos. Enfin, elle a une durabilité, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Et du coup, la mise à jour est sortie là aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah hier quand vous verrez cette vidéo. Mais ouais. En vrai, de vrai, c'est assez sympathique. Hein. Tu vas voir le relooking et tout. Vraiment sympa. Sur le multi. Ouais. Ouais, ouais. Okay. J'ai perdu une malle d'antenne. Je suis dégoûté. Ah ouais. Yo Coralie. Salut à ceux qui sont arrivés. Ah oui, donc il y a amplificateur et les trucs. Yes. Écoutez, on va aller faire une zone rouge vite fait en speed. On va aller faire une zone rouge en speed parce que d'ailleurs, moi j'ai une quête à faire. La quête journalière à faire.
Où faut tuer 10 gros lards avec un Glock. Alors on va essayer de la faire. Celle-là. On est d'accord, Ben, que le multi là il touche que le secteur 7. Hein. Il n'y a toujours pas de vrai multi comme on l'attendait. Alors ouais, et en plus de ça, de ce que j'ai cru comprendre, là les zones dans lesquelles tu vas farmer, tu croises plus de gens que tu connais pas. Il n'y a que les gens de ton clan. Donc s'il n'y a pas de gens de ton clan, il n'y a personne en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, j'ai l'impression, mais on a fait quelques zones et tout. Croisé personne. Ok, t'étais avec la team à poil ? Ouais. Bah enfin, il y avait Pouette. Si t'es hors clan, non. Ok, ouais, je confirme. Ok. Donc ouais, c'est ça. Si t'es dans un clan, il y a... Ouais, donc c'est ça. Si t'es dans un clan, tu vas uniquement croiser les gens de ton clan. Si t'es pas dans un clan, tu peux croiser d'autres gens. C'est ça. Ok. Bon, en vrai de vrai, l'arme, elle a clairement pas l'air dégueu. Hein. Bon, elle tue pas les renards, malheureusement. mais bon. Ouais, en vrai de vrai, l'arme, elle est pas dégueu. Hein. Elle tue le cracheur toxique avant qu'il nous crache dessus. Et l'arme, elle est gratos. Bon, par contre, là, il y a 3 cracheurs toxiques. Là, il y a 3 cracheurs toxiques, c'était un peu compliqué. Moi aussi, j'ai trop de points de stream. Tu peux, ta femme, elle veut toujours pas que tu subes à la chaîne, John. Bref. Attendez, pardon, excusez-moi. On va supprimer ça. Bon, en vrai de vrai, l'arme, elle est pas dégueu. C'est gratuit, de toute façon. Hein. C'est une arme qui est totalement gratos. Elle tue même le loup enragé avant qu'il arrive sur nous. Là, il y a un gros lard. Donc, en vrai de vrai, l'arme, elle est pas dégueu. Puis c'est gratos, hein, faut dire que c'est gratuit. Hop, et on le finit au Glock pour la quête. Hop. Donc ouais, c'est gratos. L'arme elle est sympa, on va prendre la corde, tiens. L'arme elle est assez sympathique. Est-ce que dans le chat vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire avec ça en vidéo là pour essayer vite fait? Bah non, je suis toujours au Glock. Et du coup cette arme, Ben, c'est qui te la donne? C'est le gars là? Le gars ICR? Ouais, le PNJ qui est à ta voiture. À ton camion. Ouais, c'est le gars ICR. Ok. Le Bunker B. Tu veux qu'on essaye le Bunker B? Est-ce que vous voulez qu'on essaye le Bunker B avec l'arme? On peut essayer, hein. Le commissariat avec 100 vagues. C'est un peu chaud, hein, quand même. C'est un peu chaud. Le Bunker B, ça va être chaud, ouais. Non, le Bunker B, on va tenter, vas-y, on va voir. Avec cette arme? Ah ouais. Le Comico. C'est vrai que le Comico, ça peut être cool. Avec 99 vagues du Comico, les gars, vous êtes malades. Et t'es en vidéo, là, du coup, Ben, on est d'accord? Ouais. Du coup, tout le monde sait que tu rentres chez toi depuis Décathlon. Non, mais aussi juste ne vous inquiétez pas parce que Ben voulait qu'on fasse une vidéo tous les deux, voilà, pour clarifier les choses, mais non, on ne se fait pas la gueule, on s'aime toujours, on s'envoie des vidéos de chats avec qui se mettent des chapeaux avec des poils, enfin c'est super. Ouais, je l'avais même dit au chat parce que du coup bah je t'attends en fait pour prendre le sac à dos chaton, tu vois. Je t'attends. Et bah écoute, ce qu'on fait ma poule, je rentre, je prends une petite douche, je pense à toi pendant ma douche et après on fait une vidéo. Yes, ça roule. Ça roule. Bah écoute, je vais t'abandonner, je vais finir la vidéo, on va aller tester le Bunker B. Et du coup, bah. Ça marche. Oui, oui. Envoyez Jimbo, hop. Yes. Allez, des gros bisous, hein. bisous YouTube, hein, du coup. Tain, vas-y. Ouais, en vrai de vrai, il y a aussi le Bunker A qui se fait. Vous savez quoi, je vais juste pour essayer, hein, mais bon. C'est vraiment pour essayer le Bunker B, hein. Du coup, je m'en vais ou j'attends? Ouais, vas-y, bah, casse-toi, ouais. Allez, hein, la bise, hein. Bisous sur le bout. Ouais, la bise. L'arme, en vrai de vrai, attendez, mais l'arme, elle sert à rien en fait. L'arme, elle sert à rien. Si on n'est pas cool, l'arme perd de la durée quand même. Aucune idée, en vrai de vrai. La gênance grave, tu sais, c'est genre. Eh, tu sais, des trucs au théâtre, tu sais, on dirait des gosses qui étaient au théâtre, genre derrière le rideau et tout, genre. C'est maintenant que j'entre ou pas? Ah ouais, l'arme elle est vraiment naze. Par contre, je fais comment? Là, je suis obligé de désancrer le jeu, c'est ça? Genre, je peux pas. Maman! Comment on fait? On peut pas sortir du bunker? Attendez, je peux pas sortir du bunker, je suis obligé de désancrer le jeu? Meurs, déco. Non. Déco reco. Hop là. C'est les paraboles et transmissions recyclées. Ouais, c'est ça. Paraboles et transmissions recyclées parce que du coup ça disparaît. Bienvenue Rookie Titi. Non, vous savez qu'est-ce qui sera intéressant? À la limite, le Big Wood désinstalle. Le mec qui va désinstaller le jeu.
Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils perdent la durabilité. Genre, quand on est dans une zone, à partir du moment où on commence à s'en servir quand tu rentres dans une zone. J'ai l'impression que si on n'est pas dans une zone, l'arme ne perd pas de durabilité. Tu vois ou pas? Ça fait économiser... Ah mais clairement, clairement, genre là, même le plus rentable à faire, ça serait d'aller farmer, vous mettez en automatique, vous allez farmer avec cette arme, vous tuez les cracheurs toxiques, vous tuez les loups, vous tuez les petits zombies normaux avant qu'ils vous touchent, vous mettez en automatique, enfin, faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas un mec au... qui n'ait pas le blind one ou quoi, mais je dirais même que, franchement, aller faire la zone, une zone verte ou une zone jaune en automatique avec cette arme pour farmer sans se prendre la tête, pour moi ça reste le mieux en vrai. Même si tu meurs, l'arme reste avec toi. Ah, nickel. J'ai ça que chaton, je suis trop fier. J'ai ça. Bienvenue, Lulu. Bienvenue, mec. Donc, ouais. Bon, en tout cas, c'est naze au bunker B. Mais pour moi, c'est cool, genre, d'aller farmer dans des zones avec ça. Bref, YouTube, je vais vous abandonner là-dessus. Je vais retourner au live. Je suis sûr que la vidéo vous aura plu. Peut-être que Twitch, ils auront le temps de vous dire au revoir. Peut-être qu'ils auront pas le temps de vous dire au revoir. Perso, je suis Blind One plus vague au Comico. Ouais, mais au Comico, l'arme, elle a le temps que tu cours et tout. Je suis pas sûr que t'aies le temps de vraiment tirer et tout, tu vois. T'es où cette arme? Il y a un PNJ qui te le donne à ta base. Il est sur le camion, il est tranquille, il est en train de fumer une clope et il te le donne. Bref, YouTube, je vous abandonne là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va refaire évidemment une vidéo avec cette arme histoire de tester ça. Ça va être formidable. Salut mon futur moi. D'accord, ok. Et voilà, à la prochaine. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Salut, au revoir.